Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, donc l'entreprise a nettoyé le clocher de l'église de manière. Donc on va tout de suite monter dans le clocher pour regarder. Donc j'ai vu des photos et c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait, donc on va monter pour voir. Et il y a aussi juste un petit problème qu'on a remarqué, c'est que la cloche 2, en tintement, elle marche plus. Alors moi j'ai vu que en tintement là, pour les heures en fait elle sonnait pas correctement. Du coup j'avais remarqué ça. Et puis voilà, donc on a regardé sur le tableau de commande et effectivement les tintements marchent plus. Donc on va essayer de. On va voir. Puis on va monter en haut aussi pour regarder comment ça a été nettoyé. Donc c'est parti. Donc là vous voyez, on est dans l'église. Et là donc c'est pour monter. Voilà, donc là c'est pour monter. Ah, c'est propre. Ah oui, c'est plus propre. Ouais. Bon, il y a encore des toiles d'araignée, mais c'est normal, donc il n'y a plus de pigeons. Oh, ça sent plus le pigeon. Je suis impressionnée. Ça sent vraiment plus le pigeon. Donc là, on va arriver à l'orgue. Enfin, pas l'orgue, là où il y a la rosace. Donc là il y a la rosace, voilà. Et là on est sur le haut de l'église. Voilà. Mais c'est vraiment bon, à part là, hein, il y a toujours des crottes de pigeons. Mais là vraiment c'est hyper propre, je suis choquée. Bon, c'est un peu étroit, mais regardez la vue. On va bientôt arriver. Et encore un petit peu. C'est long. Donc là, faut enlever ça là pour ouvrir la porte. Donc là, c'est la vue. Je suis choquée comment c'est propre. J'avais appuyé sur un A2. Hein, oui. Okay. C'est devenu sale quand même. Bah, par rapport à la dernière fois, il y a une différence. Hein. Oula, c'est quoi ça? Il y a encore des pigeons? Ah, j'ai entendu un bruit là. Il y a encore des pigeons ou pas? Il n'y a plus de pigeons? T'es sûr? J'espère qu'il n'y en a pas à nouveau. Bon, on va monter doucement. En plus, l'échelle, elle n'est pas très résistante. Je vais monter petit à petit. Je sais pas si je vais monter au cloche parce que c'est vraiment stressant parce que... C'est celui-là la moyenne ? Ouais. C'est celle-là. Ouah, c'est propre, je suis vraiment étonnée. Regardez comment c'est propre. Bah, c'est... Il y a forcément des crottes de pigeons, hein, mais franchement, par rapport à avant. Mais c'est bizarre que le marteau il marche plus. Fin... Ouais, ça m'étonne vraiment. Normalement, il devrait marcher. Hein. Ouais.
J'ai essayé de monter plus haut, mais il n'y a pas de pigeons là. J'ai pas l'impression, mais... Ils peuvent pas chier de l'extérieur puis ramener les crottes dans le clocher, c'est impossible. Faut que je me tape la grosse cloche moi, parce que sinon je vais être sonné pour le petit jeu de mots. Mais c'est vraiment propre. Je sais pas ce que c'est. Donc ça c'est les cloches, elles sont toujours aussi sales, hein. Elles n'ont pas été nettoyées, mais elles sont déjà plus propres. Hein. J'aime bien le bruit de la petite cloche moi. Tiens là il y a un autre marteau. Regardez, c'est un vieux marteau, je crois. Mais un vieux, hein. Là, normalement, elles peuvent plus sonner, vu que j'ai appuyé sur un à deux. Et voir que j'aille vers là, là, vers la petite cloche. Eh, ça me fait peur, j'entends des bruits de pigeons, là. Moi aussi. Ah, il y en a un là, non ? On va peut-être pas aller vers là. On va plutôt aller vers la moyenne, parce que l'accès, il est plus facile. Bon, en tout cas, la charpente, elle est toujours aussi belle. Hein. Puis, voilà. Bon, la ville, on voit pas trop parce qu'on est vu sur la nef. Je sais pas si vous voyez beaucoup. Voilà. C'est pas mal, hein, moi, je trouve. Enfin, ils ont fait du beau boulot. Hein. En fait, le moteur de la grosse et de la petite, ils tiennent sur la même rampe, en fait. La rampe, elle s'arrête à la grosse. Regarde, là, il y a une rampe, là. Et pour la petite, il n'y a pas la rampe en haut. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est un nom spécifique, mais voilà. Donc ça, c'est la grosse cloche, la petite et la moyenne. Y voir, c'est peut-être le moteur du marteau qui marche plus. Bah, écoute, je sais pas. Il y a plein de marteaux là, regarde. Des vieux marteaux. Ouais, des gros marteaux. Ah, pas doux, c'est un marteau comme ça sur la grosse, en forme un peu rectangulaire. C'est pas des ronds. Et voir, j'arrive vers la moyenne. On va faire doucement parce que voilà. Ah ouais, c'est vraiment une belle cloche. Hein. Je sais pas, ça va être chaud pour lire les noms parce que il y a tellement de crottes de pigeons. Oh, c'est pas ça. Oh putain. Je vais me mettre là. Là, c'est plus facile pour regarder. Voilà, il y a un bocage. Là, il y a une ferme, vous voyez. Là, on est devant l'église. Donc là, c'est là où ça frappe. J'ai peur qu'elle sonne. Même si je sais que j'ai appuyé sur un A2. Et voir, j'essaye de la faire sonner. Mais genre doucement. Elle est lourde. Hein. Elle a une bonne résonance, celle-là. Elle tremble. Voilà quoi. Franchement, ils ont fait plutôt du bon boulot, je trouve. Et la grosse, là. Hop, je vais revenir vers là. Hop. Voilà. Donc, si vous voulez regarder ma vidéo d'avant où j'étais montée dans le clocher, où il y avait toujours toutes les merdes de pigeons, bah vous pouvez voir que là, il y a quand même un grand changement par rapport à la dernière fois qu'on est venu. Et que c'était pas encore nettoyé. Donc ça c'est la grosse. Hein. Elle est lourde. J'arriverai même pas à la faire balancer ici un peu, mais voilà quoi. Bon, sur ce je vais descendre hein, parce que je ne vois pas non plus passer trop de temps là. Et je vais revenir peut-être un coup, je verrai. Maintenant que je sais que c'est nettoyé, je suis tranquille. Maintenant, il reste à savoir ce qu'il a le bâton de la moyenne cloche parce que enfin, c'est un peu étonnant. Hop, on descend tout doucement. Voilà. Là, c'est une goutte, je crois. C'est par là qu'il me semble que tu sais,
Et ça donne juste en bas la porte du côté, là. De l'autre côté. Oh, voilà, là, on voit encore un peu les cloches. Franchement, ils ont fait du beau boulot, hein. Pas mal du tout. C'est sûr que par rapport à avant... Bon, bah, voilà. Dis-moi, c'est quoi le tableau, là? C'est ouvert, tu penses? Ouais. Bon bah voilà. Bon bah je vais mettre fin à la vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, vu un peu là-bas. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, poser des questions si vous voulez, je vous répondrai. Et bah on va se retrouver pour une prochaine vidéo plus tard. Allez, salut!